Yo tout le monde, c'est Nefast 45, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 2 de Amnesia. Je me suis arrêté devant la porte, donc regardez, et je suis passé par derrière. Waouh, c'est magique. Donc voilà, donc c'est parti, on recommence pour avoir peur. Hein? Je me permets de dire ça parce que oui, j'ai peur. Donc voilà, j'espère que l'épisode 1 vous a plu. Donc là j'entame l'épisode 2 en un petit peu plus confiant, même si je le sens pas trop. donc voilà, c'est parti. Donc on s'était arrêté en fait je suis en train de suivre mes enfants, si c'est bien ça, je crois. Ouais c'est ça. Alors je me réveille seul. Ah bah non, ça je l'ai déjà lu, je suis con. Ça aussi. Okay. J'ai ramassé un document et le document il m'a pas demandé de le lire. Étrange. Ok. Donc là je dois toujours suivre les enfants. This way, Papa. Come and see. Mais j'arrive, ma fille. La maison va se... Ah, bah là ça me dit que j'ai une note maintenant. Le grand hall. Cette voix au téléphone, elle me parle comme si elle me connaissait, et en effet, il me semble la connaître. Comme des jumeaux séparés à la naissance. J'ai l'impression que nous sommes liés sans savoir comment. Je me noie en essayant de rejoindre la surface dans ma propre maison. Je sais que sous mes pieds, dans l'obscurité, se cachent de splendides architectures. Si seulement je pouvais trouver l'entrée. En fait, le mec, il est prêt à aller à crever pour aller chercher. Ok ? Il est prêt à crever, il est prêt à aller crever pour aller chercher ses enfants et trouver le secret de la baraque. Quoi. La boutique. I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled, yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Connard. Non, je vais pas là-bas. Ok. Ah oh, putain. Mandus, do you know me? Non. Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are encaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. Ah. Hello? Where should I go? Hello? Hello? Okay. Oh. Grand flash blanc. Encore ces magnifiques tableaux pour changer. Ok. Oh, un hippopotame! Waouh, il est beau! Tiens, il est bien fait! C'est quoi ça? Ok. Tête de cochon! Coucou, hibou! Ah non, c'est un aigle! C'est quoi, c'est un hibou ou un aigle? Ah, c'est un aigle! Il est magnifique! Oh, l'ours! On peut le toucher. Je le caresse le bidou. Il est beau le bidou. Ah, excellent.
secrète. Coucou. C'est bon, personne. Oh la chaise. Moi je casse tout, moi. Je casse tout. Elle est moche la chaise, je la lance. Eh hey, dis donc, vous avez remarqué depuis le début combien il y a de bouteilles quand même dans le jeu. Ok. Qu'est-ce que ça m'a activé là? Putain, m'a bloqué cette conne. Oh, beau gosse. Je la remets. Regardez. Hop. Ah non. Pardon. Bon, on va refermer cette porte magique. Ni vu ni connu. On n'est jamais venu. Oh, on s'en fout. Ok. Pourquoi t'as bougé toi? C'est quoi ton problème? Connard. Ah, il y a un bruit bizarre maintenant. Oh, putain! Putain, le con. Connard. Un mot. Ok, je ne parle pas allemand. Je ne parle point l'allemand. Vous êtes gentil, mais merci. Je saute, je saute, je saute. Ok, donc je vais aller là, vu que je suis pas allé là-bas depuis tout à l'heure. Non, j'y vais pas. Ah, ils sont morts. C'est une photo de mort. Ils faisaient ça avant, c'était la mode. Quand tu mourais, bim, tu prenais une photo. Enfin bref. J'ai même pas le temps de lire, bolos. Putain, c'est où? Après la fête, il m'a pris les bras et m'a demandé, dites-moi chérie, comment avez-vous fait pour quitter la salle des trophées et me rejoindre dans la salle de bain des invités aussi vite? Tout le monde vous prend pour un magicien. Ma chère Lilibès, la maison de mon père abrite de nombreuses pièces. Quant à la mienne, eh bien, elle aussi, ses chambres secrètes. Ok, donc c'est dire qu'il y a un truc secret dans la salle de bain. C'est fermé. Ouais, la porte elle est entrouverte, donc il doit y avoir quelque chose. Non, non, non. Ah. Yeah, motherfucker. Je connais, je connais, je connais. Ok. Ça m'a ouvert quoi? Ah, merde, je l'ai pas ouvert complet. Waouh. Putain, il a dû galérer pour la canalisation, lui. Truc de ouf. Ok. Waouh, c'est quoi ça?
Ah, j'ai allumé les lumières. Oh, y a du sang partout, quoi. C'est horrible. Oh putain, ça a bougé. Il est où? Non, non, je veux pas. Putain. Oh putain, non. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Putain. Dégage-moi ! Je ne veux pas t'attacher de merde. Allez, encore une bouteille de gnôle. Un soir, elle s'est approchée de votre porte avec son joli tablier qui lui arrivait jusqu'au pied. Ses cheveux bouclés et ses yeux bleus de Chine, comme une main à moitié enterrée dans la neige hivernale. Comme une main dans la neige hivernale. Ok, le gars se répète. Et par la fenêtre entrouverte, elle vous a demandé des pommes. Son visage était caché, mais ses yeux brillaient. Et vous vous êtes laissé piéger par cette charmante silhouette. Elle vous a empoigné et dévoré votre cœur. Elle vous a empoigné et dévoré votre cœur. Alors prenez garde de Saint-Sylvestre venu. Des craintes que Sally vienne demander des pommes. Et sachez que certaines portes ne doivent pas être ouvertes. Écoutez votre père et restez à l'intérieur. Sally punit les enfants désobéissants. Sally s'en nourrit. Ok. Ça m'a l'air d'être une mise en garde. Bon bah écoutez, c'était génial, cet épisode est terminé, le jeu aussi, je ne continuerai pas. Ok, allez c'est parti. Je suis pas confiant mais... Je suis pas confiant du tout là. C'est une mise en garde, hein. Faut faire attention, elle a dit la dame. Ah oh, et puis ces portes, ma gars, ça couinait. Ok, donc je suppose qu'il va falloir que je suive les traces de sang. Mais dites-moi, qui a foutu ce bordel? Ah, je peux pas la porte. Ah si. Faut la ranger la chaise. Oula, 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 oula. Allez. Oh, et puis merde. Dans la salle de bain. Wow. Ok. Oh, l'orage m'a fait peur. Ok, donc je suis bloqué. Youpi, youpi, c'est génial. Je suis dans ma maison, il y a des fantômes. C'est génial. C'est fermé. Je fais quoi là? Je dois aller où? Allô? Monsieur? Non? Vous pouvez pas m'aider? Elle a une patte. Ok. Ah! Nickel! J'ai trouvé du premier coup. Je veux marcher. Tout le long du chemin. I will cry all the way home. I will have none. I will have none at all. Et encore une bouteille. Ok, ça me ramène ici. Tout ça pour ça, tu sais. Merde, je viens de là. J'arrive, mes enfants.
avant que je lis la note. Le métal craque et se refroidissant et en se contractant. Il doit s'agir de l'étrange machine dont mon nouvel ami m'a parlé. Si mes enfants ont découvert l'existence de cet endroit, j'imagine qu'ils s'y sont précipités. Bon, il semble que ma route soit toute tracée. La descente commence. Et bah pourquoi t'y vas, connard? T'abandonnes tes enfants et tu t'arraches? Pourquoi tu te prends la tête là? Olé, olé, olé. Ok, ok, ok. Porte secrète. Non, je vais la laisser ouverte si je dois revenir ici, on sait jamais. Ok. Elle est fermée. Donc. Ok, faut arrêter de crier comme ça là. Hop. Pourquoi il crie pas au secours? Ah, une tête de cochon. Pourquoi il crie pas au secours? À l'aide! À l'aide! Il y a des fantômes dans mon maison! Au secours! Babtou! Au secours! Spirit! À l'aide! Bon bah je suppose qu'il faut que je descende. C'est parti. On a trouvé un œuf. Ok. Oh putain. Oh putain.